bonjour à tous ses amis, c'est Brasi, votre gamer favori. Donc on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite du 19 juin 2023. Donc avec à la une Autographe, un petit emote atypique qui arrive depuis cette saison et ce chapitre. Donc c'est une emote synchronisée pour 300 V-Bucks. Je suis un avion, une emote série icône saison 2, chapitre 3 mobile pour 300 V-Bucks. La dribbleuse en tenue rare, attention à ne pas marcher, fait partie de l'ensemble 5 majeurs, saison 4, premier chapitre pour 1200 V-Bucks. Le pivot, il fait partie du même ensemble, en tenue rare pour 1200 V-Bucks. Le slam dunk, c'est leur pioche rare pour 800 V-Bucks. Le panier percé, c'est leur petit planeur hippique pour 1200 V-Bucks. Barjot du ballon, c'est la petite emote, saison 1, chapitre 2, rare pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le retour de Zéro, en tenue légendaire, saison 1, chapitre 3, fait partie de l'ensemble Point Zéro, avec son trou noir qui est son accessoire de dos légendaire pour 2000 V-Bucks. Point Zéro, c'est son revêtement d'armes rare pour 500 V-Bucks, il est animé. Ensuite, vous avez Penny en tenue rare, il fait partie de l'ensemble équipe de construction, saison 3, chapitre 2, avec ses deux customs différentes et son outil d'ouvrage qui est son accessoire de dos rare. Pour 1200 V-Bucks, le tout. Ensuite, le retour de Isabelle en tenue hippie qui fait partie de l'ensemble Académie de Chemin-Mage, saison 6, chapitre 2, avec transformation, avec son accessoire de dos, livre des sorts, volume 3, et armure incantatoire, donc qui vous permet de changer de style pendant la partie. Donc, c'est très très bien, tout ça pour 1500 V-Bucks. Tout un pack épique. Ensuite, vous avez le bâton d'astrolomètre, c'est son pioche rare pour 800 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez Tsuki, la créatrice, donc toujours en tenue rare. Elle fait partie de l'ensemble Karatek Technologies, donc des semaines de 6 chapitres et cette saison, avec son noyau Gai Gara, qui est son accessoire de dos, donc rare, tout ça pour 1200 V-Bucks. La trancheuse tendance, c'est son outil de collègue avec sa pioche atypique pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack de Assaut de l'ombre qui fait son grand retour avec ses rirons, avec archétype de l'ombre en tenue, avec son paragym noir qui est son accessoire de dos, mitrailleur nocturne avec son sac nocturne qui est son accessoire de dos, le mecha de l'ombre avec ses propulseurs de l'ombre, tout ça pour 2800 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez mecha de l'ombre avec son propulseur de l'ombre pour 1500 V-Bucks. Les dagues de l'ombre, c'est la pioche, leur pioche pour 800 V-Bucks. Le mitrailleur nocturne avec son sac nocturne pour 1500 V-Bucks. Archétype de l'ombre avec sa paragym noir qui est son accessoire de dos pour 1500 V-Bucks. Le pied à coulisses, c'est une autre pioche qui fait partie toujours du même ensemble pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le retour de la canonnière de la brute, qui fait partie de l'ensemble section brute et saison X premier chapitre, avec sa tenue atypique pour 800 V-Bucks. Oblivion, une vengeance sans relâche, fait partie de l'ensemble Oblivion, saison 4 premier chapitre, avec ses deux costumes différentes en tenue légendaire, avec son déstabilisateur qui est son accessoire de dos légendaire également. Tout ça pour 2000 V-Bucks, donc je viens de le dire. Acéré, fait partie de l'ensemble Floron de l'armée, saison 7, premier chapitre, c'est un petit pioche atypique pour 500 V-Bucks. Ligne rythmique, c'est un petit revêtement d'armes animé et réactif, saison 4, chapitre 2. Revêtement réactif, réagit à la musique du jeu, donc voilà, tout ça pour 500 V-Bucks, il est rare. Rodéo sur fusée, c'est une petite emote épique, saison 3, premier chapitre pour 800 V-Bucks. Claque des pieds, youpla boom, c'est une petite emote atypique pour 200 V-Bucks, saison 3, premier chapitre. Voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack Flash, donc ça c'est la série DC avec Flash et sa force véloce et son accessoire de dos. Les tailladeurs de force véloce et sa pioche. Sur le pouce, c'est sa petite emote. Et mon nom est Vargalen, c'est l'écran de chargement, tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, vous avez Flash et sa force véloce pour 1500 V-Bucks. Sur le pouce, c'est sa petite emote pour 400 V-Bucks. Les tailladeurs de force véloce et sa pioche pour 1200 V-Bucks. Voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le pack Batman Zero, donc il va être ensemble pas. Batman.0, donc saison 6, chapitre 2, donc avec sa cape usée qui est son accessoire de dos. La charponneuse, cramponneuse, c'est sa pioche. Les ailes de Batman 0, c'est son petit planeur. Et Batman venu du 0, c'est l'écran de chargement. Tout ça pour 2100 V-Bucks. Hors pack, vous avez Batman 0 et sa cape usée pour 1500 V-Bucks. Les ailes de Batman 0 pour 1200 V-Bucks. La cramponneuse, sa petite pioche pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack d'équipement de Batman avec le Bat Leader et un autre planeur. La croisée en cap, c'est la petite musique. Le Bat Signal, c'est la petite emote. Et l'art martial, c'est le maître martial, c'est une deuxième emote. Tout ça pour 1500 V-Bucks. Hors pack, vous avez le Bat Leader, donc il y a à nouveau. Qui fait partie de l'ensemble Gotham City, saison X premier chapitre, donc c'est un petit planeur pour 1200 V-Bucks. Le croisé en cap, donc c'est toujours Gotham City pour 200 V-Bucks, c'est la petite musique. Et le bat signal, donc c'est pareil, pour 300 V-Bucks, la petite emote. Et Maître Martial, la petite emote, tout ça pour 300 V-Bucks. Ensuite, vous avez Batman Zero en armure qui fait partie de l'ensemble Point Zero, donc Batman Zero, je vais le présenter.
Oui, et Batman Zéro en armure, pardon, voilà, je suis en train de me dire, avec sa cape exoplanaire qui sont accessoires de dos, la hache Batarang, c'est sa pioche, l'exoplanaire de Batman, c'est le petit planeur, tout ça pour 2100 V-Bucks. Alors, pas que vous avez Batman Zéro en armure avec sa cape exoplanaire qui sont accessoires de dos pour 1500 V-Bucks. Vous avez l'exoplanaire de Batman pour 1200 V-Bucks qui est son petit planeur. Vous avez la hache Batarang, c'est sa pioche pour 500 V-Bucks, donc voilà. Packer, pack toujours. Ensuite, vous avez le Batman Kiri avec Batman Kiri et son perchoir de Robin qui sont accessoires de dos. La fosse Death Metal, c'est sa pioche. Et les ailes de l'hilarité, son petit planeur, tout ça pour 2200 V-Bucks. Alors, pack, vous avez le Batman Kiri et le perchoir de Robin pour 1500 V-Bucks. La fosse Death Metal qui est son petit pioche pour 800 V-Bucks. Les ailes de l'hilarité, son petit planeur pour 800 V-Bucks. Donc, Packer, pack toujours. Ensuite, vous avez pack Harley Quinn, donc avec Harley Quinn et son argument massue qui est sa première pioche. La batte de Harley, c'est sa deuxième pioche. Et des classes supplémentaires pour obtenir des styles supplémentaires, donc au niveau légendaire pour Harley Quinn pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Harley Quinn et ses quêtes pour 1500 V-Bucks. La batte de Harley pour 800 V-Bucks. L'argument massue pour 800 V-Bucks également. Ensuite, vous avez Harley Quinn Rebirth, donc un peu tiré par les cheveux, donc c'est dans le chapitre 2. Pour 1200 V-Bucks avec ses deux custom. La vengeance de Harley Quinn, c'est son accessoire de dos pour 400 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez Black Manta et son sac de Manta pour 1500 V-Bucks. Les lames de Manta, c'est sa petite pioche pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Beast Boy, le pack Beast Boy, donc avec Beast Boy et son sort et canapé qui sont accessoires de dos. La batte de bestiale de Beast Boy, donc qui est sa pioche. Et sa jury, c'est sa petite emote, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Beast Boy avec son sort et canapé et sa jury pour 1800 V-Bucks. La batte de Beast Boy pour 800 V-Bucks. Voilà. Pack et hors pack, toujours, j'ai oublié personne. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Catwoman 0, donc il fait partie ensemble point 0, saison 6, chapitre 2, donc avec sa griffe cramponneuse qui est sa pioche pour 1500 V-Bucks. Catwoman 0 hors pack pour 1200 V-Bucks. La griffe cramponneuse pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez la tenue Catwoman du comics, donc il fait partie ensemble Gotham City, saison X, premier chapitre, donc avec ses deux customs différents. Son chat précieux, c'est un accessoire de dos. Les griffes félines, c'est sa pioche. Et ensuite, vous avez le claquement de fouet, c'est sa petite emote, tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Catwoman du comics avec son chat précieux pour 1500 V-Bucks, les griffes félines pour 800 V-Bucks, le claquement de fouet pour 300 V-Bucks. Donc voilà, pack et hors pack toujours. Ensuite, vous avez le pack Deathstroke Zero, donc, qui est parti toujours du Batman 0, donc avec sa katana de Deathstroke et son accessoire de dos, mais également son petit collecte. Les ailes ravageuses de Deathstroke, c'est son petit planeur, tout ça pour 2000 V-Bucks. Hors pack, vous avez Deathstroke Zero avec accessoire de dos et pioche katana de Deathstroke, tout ça pour 1800 V-Bucks. Les ailes ravageuses de Deathstroke, c'est son petit planeur pour 800 V-Bucks. Le pack Wonder Woman avec Wonder Woman et sa cape de Diana qui sont accessoires de dos. La hache d'Athéna, c'est sa pioche. Les ailes de l'aigle d'or, c'est son petit planeur. La Trinity DC, c'est son écran de chargement. Et les bracelets d'Hephaestos qui est sa petite emote. Tout ça pour 2400 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Wonder Woman avec la cape de Diana et ses bracelets d'Hephaestos pour 1600 V-Bucks. La hache d'Athéna pour 800 V-Bucks. Les ailes de l'aigle d'or, petit planeur pour 1200 V-Bucks. Voilà. Pack et hors pack. Ensuite, vous êtes sur le pack Blue Sport. Avec Blue Sport, ils sont spécimens Starro qui sont accessoires de dos. Le sabre de l'Argus est son outil de collecte. Le camouflage de Blue Sport, c'est un vêtement d'armes. Ensuite, vous avez Aerosol, Harley Fleury, Je suis pas un héros, Pacemaker et c'est un requin. Tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez Blue Sport et son spécimen Starro pour 1500 V-Bucks. Le sabre de l'Argus, c'est sa pioche pour 800 V-Bucks. Le camouflage de Blue Sport, c'est son petit vêtement d'armes pour 300 V-Bucks. Ensuite, nous allons de nouveau sur la série icône, donc avec le pack Mister Beast, avec Mister Beast et son briseur Mister Beast et sa pioche. Le Beast Bombard, c'est sa nimote. Le rayure bestial, c'est son vêtement d'armes, tout ça pour 1800 V-Bucks. Ensuite, vous avez Mister Beast 6000, avec Mister Beast 6000 et son sac à sous qui sont accessoires de dos. Les griffeurs de Mister Beast et sa pioche. Et le bolide emballé, son petit planeur, tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Mister Beast pour 1200 V-Bucks. Le briseur Mister Beast pour 500 V-Bucks. Le Beast Bombard, c'est sa petite nimote pour 400 V-Bucks. La rayure bestial, c'est son vêtement d'armes pour 300 V-Bucks. Le Mister Beast 6000 avec son sac à sous pour 1500 V-Bucks. Le griffeur de Mister Beast et sa pioche pour 800 V-Bucks. Le bolide emballé, c'est son petit planeur pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack Optimus Primal avec Optimus Primal en tenue hippique avec son emblème maximal en hippique. Les épées soniques, c'est sa pioche rare. Et l'hurlement de Primal, c'est sa anima typique. Tout ça pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Optimus Primal en hippique avec son emblème maximal qui est son accessoire de dos hippique. Et l'hurlement de Primal qui est son anima typique pour 1600 V-Bucks. Les épées soniques, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks.
Ensuite, vous avez le pack fête préhistorique avec Triceratops en tenue légendaire, avec son nouveau-né qui a une sorte de dos légendaire, Rex en tenue légendaire avec son sac en écailles légendaire, le fossile volant, c'est le petit planeur atypique, le Groix, c'est leur petit emote rare, le Dino, c'est le premier revêtement atypique, et Crétacien, le deuxième revêtement atypique, tout ça pour 2700 E-Bucks. Hors pack, donc, vous avez Triceratops 1 en tenue légendaire avec son nouveau-né, son accessoire de dos légendaire pour 2000 V-Bucks. Rex en tenue légendaire avec son sac à écailles en légendaire pour 2000 V-Bucks également. Le fossile volant, c'est le petit planeur atypique pour 500 V-Bucks. Groix, c'est la petite emote rare pour 500 V-Bucks. Crétacé, un premier revêtement atypique pour 300 V-Bucks. Le Dino, c'est le deuxième revêtement atypique pour 300 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le pack style reptile avec Cristal en tenue atypique, Bronto en tenue rare et son Bronto sac, son accessoire de dos rare. Le Pterodactyle, donc, c'est le petit planeur hippique. Les mâchoueuses, c'est la petite pioche hippique. Tout ça pour 2600 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Cristal en tenue atypique pour 800 V-Bucks. Bronto en tenue rare et son Bronto sac, son accessoire de dos rare pour 1200 V-Bucks. Le Pterodactyle, c'est le petit planeur hippique pour 1200 V-Bucks également. La mâchoueuse, c'est la petite pioche hippique pour 1200 V-Bucks également. Ensuite, vous avez le pack chapitre 2 revisité, tout le tout en tenue atypique avec Ramirez revisité, Général Benchy, Ryo la batailleuse et Emilia spécialiste pour 2000 V-Bucks. Le pack chapitre 2 vétérans royaux, Genesis numéro 2 en atypique, Captain Carlos, Hector l'Impacteur et Massu le mercenaire pour 2000 V-Bucks également. Ensuite, hors pack, donc vous avez Ramirez revisité, donc c'est recrue revisité, donc en tenue atypique pour 800 V-Bucks. La Général Banshee en tenue atypique pour 800 V-Bucks. Ryo la batailleuse en tenue atypique pour 800 V-Bucks. Emilia spécialiste en tenue atypique pour 800 V-Bucks. Genesis numéro 2 en tenue atypique pour 800 V-Bucks. Capitaine Carlos en tenue atypique pour 800 V-Bucks. Hector l'Impacteur en tenue atypique pour 800 V-Bucks. Massu le mercenaire en tenue atypique pour 800 V-Bucks. La pioche à l'ancienne, c'est leur pioche atypique pour 500 V-Bucks. Et les amis nouveau monde, c'est leur petit planeur atypique pour 500 V-Bucks également. Ensuite, vous avez toujours le pack attrape-mouche en légendaire avec son piège à mouche qui est une sorte de légendaire. La vrille, c'est sa pioche rare. Le Dioné, son petit planeur épique. Tout ça pour 2400 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc attrape-mouche et piège à mouche donc en légendaire pour 2000 V-Bucks. La vrille, la pioche pour 800 V-Bucks. Rare. Dioné, le planeur épique pour 1200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le pack Royal Original avec Ramirez rétro en tenue atypique, Banshee première ligne, Lynx primordial et coupe-tête primaire, tout ça pour 2000 V-Bucks. Le Battle Classique avec Genesis Originel, Faucon Classique, Renégat d'origine et Grincheux le Bleu pour 2000 V-Bucks également. Hors pack, donc vous avez Ramirez en tenue atypique rétro pour 800 V-Bucks, coupe-tête primaire en tenue atypique pour 800 V-Bucks, Lynx primordial atypique 800 V-Bucks, Banshee première ligne en atypique pour 800 V-Bucks, Genesis Original en tenue atypique pour 800 V-Bucks, Grincheux le Bleu en tenue atypique pour 800 V-Bucks, Renégat d'origine en tenue atypique pour 800 V-Bucks, Faucon Classique en tenue atypique pour 800 V-Bucks également, le planeur d'origine c'est un petit planeur atypique pour 500 V-Bucks, voilà donc pack et hors pack. Oui. Ensuite vous avez le pack Sylvestre avec broussailles en tenue rare avec sa ruche portable en accessoire de dos rare, la fleur à miel c'est sa pioche rare et le floraison c'est un vêtement rare, tout ça pour 1500 V-Bucks. Hors pack vous avez broussailles en tenue rare et ruche portable pour 1200 V-Bucks, le racleur à miel c'est sa petite pioche rare pour 800 V-Bucks, floraison c'est un vêtement d'arme pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Roi des champignons avec Armanite et Marmitabolée en épique. La tranche champignon, c'est la pioche rare. Et le premier crépuscule, c'est un vêtement d'armes rare pour 1800 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Armanite et Marmitabolée en épique pour 1500 V-Bucks. La tranche champignon, c'est sa pioche rare pour 800 V-Bucks. Le premier crépuscule, c'est son vêtement d'armes pour 500 V-Bucks, rare également. Ensuite, vous avez toujours le pack Bigfoot avec Bigfoot rare en tenue rare et glaciaire, accessoire de dos rare. L'aérotente, c'est son planeur rare et très discret, sa petite emote rare pour 1500 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Bigfoot en tenue rare et la glaciaire en rare également pour 1200 V-Bucks. L'aérotente, son petit planeur rare pour 800 V-Bucks. Très discret, c'est sa petite emote rare pour 500 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack Résurrection des Anciens avec pilote de Jade rare en tenue rare avec son accessoire de dos rare Dragon Gardien. Tigresse en tenue rare avec sa lame de Jade, un accessoire de dos rare et la pioche griffe de tigre rare également, le souffle du dragon une deuxième pioche rare et pour finir rainure sauvage c'est le petit revêtement atypique tout ça pour 2400 V-Bucks. Hors pack vous avez donc le pilote de jade en tenue rare, votre dragon gardien pour 1200 V-Bucks rare également, tigresse et son accessoire de dos rare pour 1200 V-Bucks, le souffle du dragon c'est la pioche rare pour 800 V-Bucks, les griffes du tigre c'est une deuxième pioche rare pour 800 V-Bucks également, la rainure sauvage c'est le revêtement atypique pour 300 V-Bucks. Ensuite vous avez toujours le pack armée solaire avec solaire avec Solaire en tenue rare et ses ailes solaires sont accessoires de dos rare. L'icône solaire, c'est le petit planeur rare. Tescal en tenue rare avec son ascenseur solaire qui sont accessoires de dos rare. Et la Hashtag, c'est le pioche rare. Tout ça pour 2400 V-Bucks. Hors pack, vous avez Solaire donc en tenue rare avec ses ailes solaires pour 1200 V-Bucks qui sont rares également. L'icône solaire, c'est le petit planeur rare pour 800 V-Bucks. Tescal en tenue rare avec son ascenseur solaire qui sont accessoires de dos rare pour 1200 V-Bucks. La Hashtag, c'est la pioche rare pour 800 V-Bucks.
Donc, pas qu'il n'y aura pas. Quand si vous avez GI, Anthony Hippique et sa dent et défense, et sort de dos, Elias Stiliar, ce sera pioche, tout ça pour 1600 E-Buck. Exofit, Anthony Hippique avec sa sort de dos Hippique, Zoot et Fleurage, Pleuraxienne, c'est sa pioche épique pour 1600 E-Buck également. Tiara, donc contenu rare, avec son pneu guerrier qui sont sort de dos rare et la grand atypique Assaut-Saurien pour 1200 E-Buck. Grise, contenu rare et sa sac vertébrale sont sort de dos pour 1200 E-Buck. Également rare. Pro de la jungle, une tenue atypique pour 800 V-Bucks, saison 2, premier chapitre. Ensuite, vous avez donc le pack de casier de Musilek, donc avec l'ombre occulte en tenue hippique, os lunaire, sa pioche rare, le pavillon noir, c'est son petit planeur atypique, le drapeau levé, c'est sa petite animote rare pour 1900 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez l'ombre occulte et ses ailes de l'ombre en hippique pour 1500 V-Bucks, l'os lunaire, sa pioche rare pour 800 EBEC, le pavillon noir c'est son petit planeur atypique pour 500 EBEC, le drapeau levé c'est sa petite emote rare pour 500 EBEC également. Et pour finir, donc vous êtes sur le pack légende estivale, donc avec chaperon en tenue hippique, chaperon estival en tenue hippique, Zoé tropical en tenue hippique, banane de plage en tenue hippique, chacun avec leur accessoire de dos, besace de trappeur, sac dorsal et cabanana banana, tout ça pour 16 euros. Ensuite vous êtes sur le pack maître du magma pour 15 euros, donc avec une incinératrice et son camarade double feu, Ragnar Ardent et ses ailes enflammées, le roi des flammes et son pneu infernal. Ensuite, vous êtes sur le pack Légende Ardente pour 16 euros, donc avec Molosse de guerre ardent, Valkyrie ardente, avec un premier accessoire de dos, Capacimer ardente, le deuxième, les ailes de Valkyrie ardente, et le Pyro Dragon. Ensuite, vous êtes sur le pack Reflet Obscur pour 16 euros, donc avec Genésie Obscure, avec Chevaleresse Rouge Obscure et Joker Obscur, avec Bouclier Obscur, un accessoire de dos, Cube Sauvage, un deuxième, les haches obscures, c'est sa pioche. Et pour terminer, vous avez le pack Ned l'Éternel, donc pour 16 euros, avec un accès permanent à combat de Sauver le Monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant la quête quotidienne dans Sauver le Monde. Terminez la défense de bouclier en tombant de base de 3 pour déverrouiller les packs de quotidiennes. Pour déverrouiller les quêtes quotidiennes, entamez ce pack de défis qui comprend la tenue Ned le bouclier en rare. Le Kevin de la base, c'est son accessoire de dos rare. Et Dictateur de Kit Indical, c'est la pioche rare. Donc tout ça pour 16 euros, les amis. Si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite, vous verrez de tous ces avantages. Si vous prenez ce pack pour 16 euros, donc vous avez tous ces avantages. Ensuite, vous pouvez toujours souscrire au Club Fortnite. Depuis le mois de décembre, vous avez l'ensemble de fidélité au club, des objets cosmiques exclusifs au club, dont une nouvelle étape est livrée chaque mois, tant que votre abonnement au club de Fortnite est actif. Vous avez le Rocket Pass Premium, donc grâce à votre abonnement au club, accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg slash Rocket League. Si je passe de combat, ils vont recevoir 150 des bugs. Vous recevez normalement 1000 V-Bucks chaque mois, date de facturation du club. Et ce mois-ci, en cadeau, vous avez Styx, Anthony Hippique et sa Ghosty Jane qui sont accessoires de dos. La trancheuse saturée, c'est sa pioche rare. Tout ça pour, voilà, donc tout ça pour 12 euros, les amis. Si vous souscrivez dès aujourd'hui au Club Fortnite, voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si vous n'avez plus, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire brasier pour recevoir entièrement la vidéo parce que c'est très important et ça aide énormément. Si t'es pas abonné, c'est en bas à droite que tu peux le faire. C'est totalement gratuit. Tu cliques sur s'abonner. Tu peux pas activer la cloche de notification pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, tu le connais par cœur. C'est le code de l'été. C'est le code de l'année. C'est celui qui va réchauffer tes hivers et enflammer tes étés. C'est le code brasier en majuscule, en minuscule. Tu mets abcété et moi, ça m'aide énormément. Et sur ce, voilà, tu as aussi la possibilité d'aller voir la boutique avec des objets exclusifs à la chaîne. Donc, je te mets le lien de la boutique officielle de la chaîne. Et aussi, pour terminer, tu as la souscription, la petite souscription. Voilà. Qui te permet vraiment de bénéficier d'avantages exclusifs sur la chaîne que les autres n'auront pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.